Y a quoi à côté? Ah oui, c'est à Rhodes. Après, on ira à Rhodes. On va chercher un train en premier. On va voir. Faut qu'on fasse les provisions aussi, faut qu'on achète des cigares. Ah, ils font des prisonniers. Ils font des travaux. Oh! This ain't how it looks. I can't believe that worked. Yeah, well, we don't got time. You got a plan, right? Sure. Yeah, I got it all lined out. So, what you... You even know what you're doing? I know how to take care of myself, partner. Plan? I plan not to get caught. Now shut up, hurry up. Qu'est-ce qu'il faut faire? Enfin, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Faut aller suivre. You best give us some room, partner. Hell of a business. Here's good a place as any. Camp out, wait until it's quiet. You seem real sure of yourself. Yeah, well, if only seeming were enough. Hey, we're free man. We're hiding in the woods with enough striped cloth between us to cover half a cot. Paradise, it ain't. Yeah, but we're free. We're free. Fallait les empêcher de tuer les gardes, peut-être. Et voilà, c'est pas mon problème. Slow up now. Allez, revenons à nos moutons, à notre train surtout. Alors, quand est-ce que le train arrive? Ou alors on attaque une diligence. Je sais pas, j'ai envie de tester des choses. Pas chez nous, on va se faire tirer dessus. Pas de train. C'est quoi ça? Ah, c'est un cochon. Un sanglier. Ça doit faire dans les 3 000 $ avec l'inflation de nos jours. Possible. Étudier. Un raton laveur d'Amérique du Nord. Wow. Ta peau, ta fourrure. Étudier. Ah, t'as 2 étoiles, t'as de la chance. Est-ce qu'on pourrait mettre une charrette sur les rails? Est-ce que ça arrêterait le train? Est-ce que le train s'arrête ou pas?
Ou alors il défonce tout. Hein. Une étoile médiocre. Tenez, entrer dans un territoire animal légendaire. Ok, then. Là-bas. Ok, on est sur le territoire d'un animal légendaire. On va prendre ça. Hein. Nous allons prendre le fusil qu'on avait acheté de Springfield. Avec les hautes vélocités. Lorsque vous visez une arme, pour regarder dans la lunette. Ok. Coyote. I better get moving. Là-bas. S'ils ont fait comme dans GTA 5, rien ne pourra l'arrêter. C'est bien ce que je suis en train de penser, parce que dans plein de jeux, les trains, en fait, sont la plupart du temps, dans un sens, immortels. Ils s'arrêtent pour rien, ils défoncent tout sur le passage. Ça ferait un peu con quand même qu'ils aient fait là, exactement cette chose-là, dans celui-là. C'est un grand corbeau. Les corbeaux aussi, on peut prendre leurs plumes et tout ça. Va falloir le faire. Not far now. C'est par là-bas. On voit pas assez les marques sur le sol, je trouve. Genre en blanc comme ça. J'aurais dû les faire un peu plus... plus éclairci. Ah, les autres dinosaures. Énorme. On a trouvé 1 sur 30, ouais 1 sur 30. Cool! Non. Je m'approche encore pour l'étudier. Coyote légendaire. Non, quoi? Je vais arracher le museau, putain de merde. Reviens! J'abrache tes souffrances! Ah, maintenant je me sens mal. Non, là je me sens mal par contre. Putain. Il est là.
Putain, Dior, rapproche-toi. Allez, allez. On va le faire à l'ancienne. Allez, avance. Avance. On peut faire ça? Eh, cible, cible, cible. Non, tu veux pas cibler automatiquement. Apparemment, tu veux pas. Non, tu veux pas. Ok, d'accord, ça marche. On peut faire ça. Il court vite, ce con. Bon, ça c'est fait. Enfin, je crois, vu que c'est du légendaire, je crois qu'on peut l'exploser à coup de dynamite et on aura tout le temps une très bonne fourrure, enfin une fourrure légendaire. Il n'y a pas vraiment d'état. Donc bon. On n'a pas vraiment prouvé qu'on était un très bon chasseur, mais c'est pas grave. Ça arrive. Il y a des plantes à récupérer. Là. Je suis utilisé par la fabrication d'objets. Ouais. Voilà. Je me balade un peu pour le moment. C'est quoi cet endroit? Quoi ça, des rats? Rats musqués d'Amérique. Il y a tellement de petites bestioles. Il y a un train pas loin. You interested in a little friendly competition? You a shooting man? I've been looking for a challenge and I ain't found one yet. What'd you say? Is you in or not? No. Nah, I ain't the man you're looking for. That's fine. Suit yourself. On a un train à attraper. À littéralement attraper. You done good, girl. Alors, je l'ai entendu par là-bas, le train. Ou alors, j'ai les oreilles qui merdent. Pas du tout, bon endroit, putain. J'ai entendu un train, on est d'accord, on a entendu un train. T'es pas très loin. Oh. Ah, failli mourir. Faudrait peut-être aller au trappeur pour la peau légendaire.
I'm not a big cat. So now. Yep. Quoi, c'est un lapin, ça? Lièvre de Californie lapin. Parfait. Parfait, parfait. Comment on va l'attaquer? Ça marche avec le lasso, les lapins? Je m'étonnerais. Non, il veut pas cibler. Pistolet. Comment tu veux que je tire dans la tête du lapin? Bref, on a un train à attraper. C'est parti. Je sens qu'on va faire une connerie, on va sauvegarder. Je sens que ça va mal se passer. On va arriver par l'arrière du train, on va le suivre. Et on va monter dessus. Comme ça. Ou alors sur le côté, je sais pas. On va voir. On va voir comment ça se passe. On va se préparer déjà avec les armes. Pour monter sur le train, je vais bosser à côté de lui et maintenir X pour avancer à la vitesse. On va pas aller. C'est parti. S'il s'arrête à la ville, ça va pas vraiment être. Il va s'arrêter à la gare, ça fait pas flag du tout. Qu'est-ce qu'on fait du coup? On va arrêter la locomotive, là ça demandait à la bande de ne pas utiliser d'armes. ok. Bon bah pas de. What are you wearing that mask for? Looking for Trump? Non. Bon bah voilà. On peut même pas être un bandit comme on veut. C'est triste. C'est triste. On peut même pas faire le bandit parce qu'on est à Rhodes. Et Dutch a demandé de pas foutre le bordel. Enfin, je suis déçu. Oh mon dieu. On va rentrer. Putain, j'étais motivé là en plus. On va rentrer, on va donner la peau légendaire. Non, pas la peau légendaire, la peau parfaite. Et la carcasse et la peau légendaire, on la donnera au trappeur. Et après, c'est quoi le but une fois qu'on est sur le train? Aller à la locomotive et l'arrêter? Ou alors aller dans les wagons et prendre tout ce qu'il y a? Enfin, prendre tout ce qu'il y a dans les wagons, je pense. Et c'est tout. Genre dévaliser les gens. Normalement, si je le laisse là, c'est bon. Faut aller voir le Pearson. Oh, hey Arthur.
silly book. I swear I could do better in my sleep. Then why don't you? Because she was born poor. On n'avait pas une deuxième peau? Ah non, on l'a donné, on l'a vendu déjà. Non, j'ai rien dit. J'ai cru qu'on avait deux peaux. Bon, apparemment, on en a qu'une. Du coup, le trappeur, c'est où? C'est, faut retourner à Strawberry. Je sais que c'est là. Mais est-ce qu'il n'y a pas un autre endroit? Riggs Station. Ok, on va faire un voyage rapide. Exactement où? Rig Station, on fait quoi? Strawberry, c'est le plus proche. On devrait le montrer actuellement sur la map en fait. Parce que là je vois rien en fait. Au final. Donc je sais pas vraiment où aller. Bon, en tout cas je suis content pour la chasse. On a bien. Enfin maintenant on sait comment ça marche parfaitement bien. Donc c'est pas très très dur de chasser et de récupérer les peaux parfaites. Ça va prendre du temps par contre, hein, putain. Parce que tout ce qu'il y a... vu tous les animaux qu'il y a... Ouh, la vache. Ça va prendre un long, long moment. On peut zapper ça? Ou c'est un chargement? Ouais, je crois que c'est un chargement. Ça m'embête à chaque fois d'ouvrir la carte. Oh, on a... en haut. Il y a un point d'interrogation aussi sur la carte, on verra ça après. Il y avait un truc qui volait là, c'était bizarre. D'abord au trappeur. Oh là là, on dirait que c'est fait exprès. Quoique si on se dépêche, on peut le... on peut le rattraper. On regardera après. Où je descends. Easy, whoa. Yep. Allez, go. Allez. All right, girl. Allez.
C'est quoi ça, un mec? Non, c'est un corbeau. Apparemment sur les rails elle peut pas. Elle peut pas accélérer. Waouh. Pas vrai qu'il s'est arrêté le train. Bon là tu veux accélérer ou non? Voilà. Les gens ils vont me voir derrière un train à galoper. Ah, vous inquiétez pas, toi bien. Tout à fait normal. Re-roussion. Allez. Oh putain. Il me faut vraiment un cheval de course par contre. Pour ça. Je pense qu'il faut un cheval de course. Cela, ça devient. Ça devient un peu limite. Allez, encore un petit effort. Il est presque. Ça va? Wouhou! Son of a bitch! Crime signalé. Série de cartes. Oh merde. Mets-toi, cache-toi. Une pomme, yes. Le train s'est arrêté. Hey, recharge tes balles. Allez. Oh mon dieu. Elle est au-dessus. Non, elle est là. On y va. Eh ben, c'était bien de la merde. Faut un peu plus d'entraînement, je pense. $170. On a trouvé une carte, après c'est des cartes de collection, donc c'est pas... Dans un sens c'est bien, mais... bon.
Enlève. Bon. C'était pourri, c'est bien. Je suis content. C'était bien nul, ouais, c'était bien nul. Hey partner. Hey there. Moi je cherche toujours le trésor, hein. On a une antilope à 3 étoiles. Qu'est-ce que tu me fais à me sortir la lampe et tout? Qu'est-ce que tu me fais, Arthur? Étudier un oiseau. Non. Come on. Antilope d'Amérique. C'était laquelle? C'était celle-là, je crois. Là, t'es bien, ça. Oh mon dieu! Ça galope vite, ces merdes. Hein. Allez, allez. Ligne droite, là. Y'a pas de rocher, y'a rien. Yeah, bien joué. Allez. Yes. Non. Ah, vous me faites chier, je veux passer, je veux me défouler. Allez, go! Que je me défoule. Non, prends pas le cadavre. Arrête-toi. Fouille. Je crois que ça brûle un peu. Boîte à pharmacie. Pas grand chose d'intéressant. Pommade pour cheveux. Demande d'objets. Ah, on l'avait pas la pommade pour cheveux. Ah, peut-être que. Je crois que la dernière fois on en avait acheté, mais on est mort peut-être. Genre à un moment on est mort alors qu'on devrait pas. On a eu un game over alors que. On n'est pas exactement mort, on est juste tombé de cheval. On avait encore un peu de vie, mais. Le jeu a fait comme si c'était. Comme si c'était un game over. Ah, créer des balles pendant que le camp est en train de brûler avec une odeur de cadavre brûlé. Ça c'est bon ça.
au petit déjeuner. J'ai l'impression que ses cheveux ne poussent pas, hein, Arthur. Sa barbe, si. Cheveux, non. On va faire le café. On va reprendre encore un peu. On va peut-être dormir, on peut pas dormir ici. Il nous faudrait un lit. Ah bah voilà. Se reposer près du feu. Lorsque vous vous reposez, prenez votre temps, vous pouvez accéder à l'artisanat, vous permet de cuire, à viande et de confectionner du fortifié. D'accord. En fait, reposer, fabriquer ou cuire, c'est exactement la même chose. Enfin, cuisiner. On arrive toujours devant le feu, quoi. Ils auraient pu mettre tout ça dans la même fenêtre. Bon, on y va. On va faire un peu d'histoire. Oh, il y a un chasse. Les chasseurs de primes. Les chasseurs de primes pour nous. Super. On va aller à Rhodes. Come on, girl. C'est quand même beaucoup, $170, hein, sur notre tête. Ah bon, on a tué beaucoup de gens, on a attaqué des trains. Une biche à 3 étoiles. Oh putain, je suis pas envie. Salut Rick, ça va? Voilà, go. Ouais, $170 sur notre tête. Parce que j'ai attaqué un train. J'ai attaqué un train. On a eu quoi? Une carte à collectionner du train. Et c'est à peu près tout. C'était pas fameux. Dalton, c'est 10 000 dollars. Lapin.
On recherche toujours des lapins avec des peaux parfaites aussi. On aurait dû attaquer le lapin au lieu d'attaquer le train. Ça aurait été beaucoup mieux. Ça aurait été beaucoup plus rentable en fait. Non, enfin, c'est pas grave. Ah oui, exact, c'est vrai que j'avais oublié d'en parler. Normalement, ouais, je testerai 76 demain. Je l'ai mis sur le Discord, je crois que c'est à 10h du soir pour nous. Sur PC et PS4. Je l'ai déjà préchargé. Il fait que moins d'une trentaine de gigas, donc déjà c'est bof. Enfin, les jeux qui font triple A, qui font 20 gigas et quelques. Red Dead Redemption 2 fait 90 gigas. Mais ouais, normalement on joue, on teste Fallout 76 demain. You stay right there and don't move. You got a bullet coming, you don't stop still. This here is a hold up, you know what to do. Why don't you stretch your legs, huh? Had to stop me, huh? Your mistake. Was that bad? You ain't long for this life, you know, you bastard. You in the grave. J'aime le fusil à pompe. J'aime beaucoup le fusil à pompe. Le cheval a peur de l'orage. Oh, on a brûlé le cheval. Une fois que j'aurai testé la bêta, je vais essayer de me faire rembourser par contre. Sérieusement. Enfin, on va voir comment ça se passe, mais de ce que j'ai vu, on va opter pour le remboursement, je crois. C'est bon, on se casse. Et c'est Fallout 76 bêta, c'est des mensonges. C'est le jeu en entier hein, qu'on aura. Donc dans un sens c'est pas vraiment bêta. C'est pas ça une bêta. Bêta tu donnes pas le jeu en entier aux personnes. Parce que là on va pouvoir le finir, c'est ça qui est marrant. On va pouvoir le finir avant qu'il sorte. Cool. GG. Enfin. Du coup, on appellerait ça un serveur stress test. Pas une bêta. Il y a plusieurs termes en fait. Maintenant, les développeurs ils font ce qu'ils veulent avec leurs termes. Alpha, bêta, pré-early access.
Ils font tout et n'importe quoi, mais Dutch a demandé. Par contre, on est recherché à Rhodes. Tant qu'on ne tombe pas sur des mecs de la loi, ça devrait aller. On va voir. Tant qu'on ne tombe pas sur des gens de la loi, on devrait être tranquille. Quoi? Tu viens de parler? Je veux juste sortir ma lampe. Je peux. Ça c'est con. Ça c'est parce que je voudrais sortir ma lampe, mais ma lampe est sur la roue des armes. Et dans l'histoire, Dutch a dit de pas utiliser des armes. Donc là, la roue des armes est supprimée. Et du coup, je peux pas sortir ma lampe. Donc merde. Enfin bref. Gwen Hughes, start picking out a box for yourself if you don't got that money you owe Leopold Strauss. I need more time. Doesn't everybody? That casket for you, or you want another? Wait. I can get it for you. But, come with me to the churchyard. And stay close. Ouh, il y a des zombies. Oh, this ain't right. I mean, I'll get you your money, but well, you'll see. What ain't right is borrowing money you can't pay back. I guess you're correct, but this it ain't exactly right. What we're doing. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Put his hand in the collection box and you won't be the last. Rest a little easier knowing church has been taking more than they need off poor folks since time began. Well, like I said, well, the morality of the matter is a little more confusing than that. Qu'est-ce qu'il fait? Il vole les cadavres? Un peu étrange. Okay. You head on in the church, I'll keep watch. Well, it ain't in there. It's under here. I'm digging up Mrs. Claypole. Jesus! Well, she got a bunch of jewels in there that she don't need. Ah, c'est ça. Bah, il vole les cadavres, en fait. Il les dépouille. Oh, damn it! There's a bunch of people here. Oh, I got it. Look, you clear them off, and I'll wait right around here. But don't hurt nobody. We don't want no fuss. Okay. Don't be shy. Ain't no one around. Just my auntie. Your auntie's long past prudishness. It's just... Get out of here, kids. Move. Come on. I knew we shouldn't have been here. You missed your chance, boy. Wow. Là, c'était simple. Bon, on va être gentil là, par contre. Ma'am. Would you mind clearing out of here for some maintenance work? Oh, gladly. It's about time this place got cleaned up. Wow, okay. Tiens, elle va te faire foutre. Sérieux. Wow, sympa. Bon, ça a été beaucoup plus simple que ce que je pensais. Ah ouais, il sort dans 2 semaines, c'est abusé. Oh, on a besoin de tester notre jeu. À moi avant. Now go watch the gate. I'll get to this exhumation. Empêcher les habitants de pénétrer dans le cimetière. Ok. Casse-toi. Oula, non. Je te vois venir, toi. Je te vois venir. Hello there, sir. Sorry. Church grounds are closed.
Okay. It's, good of you to be doing it out of hours, I guess. I'll come back in the morning. Très bien. Ils sont très très sympas hein, dans cette ville. Hein. Peut-être que... Peut-être qu'ils vont laisser passer les $50 sur notre tête. Ok, là ça va moins bien se passer, je pense. Hey, look, we're closed for some excavation work. Would you mind? No, I ain't gonna mind you at all. You carry on with your business, we'll carry on with ours. This fella. Oof. Damn choir boy. Get the hell out of this churchyard. Are you boys gonna need yourselves a preacher? You hear this fella? I heard him all right. We're gonna lick you, bastard. Come. Got some nerve on you. Ah, t'es un peu plus doué que ton pote. Voilà. Personne qui regarde. Faites pas attention à moi. Faites pas attention à moi. Je deviens bon, hein. En corps à corps. Allez. Here's your payment. Oh, forgive me, Mrs. Claypole. What you find? Well, she had a brooch here. Looks like diamonds. Well, this'll do. Now get out of here before someone sees you. Regardez ses yeux. Can't believe it's come to this. All right, well, I'm out of here. T'as les yeux vitreux, toi, mec. Then clear what I owe you. Ouais. Tu serais pas un zombie, par hasard? Bon. On est bon. La ville commence à... Oula. Quoi, cette baraque? On peut rentrer? Non. Alors on a une mission, on va faire directement la mission je pense. Qu'est-ce que normal étant? Non, il faut qu'on regarde la carte. Qu'est-ce qu'on a dans cette... Ah, maintenant on peut utiliser les diligences. Là, c'est cool. Pour elle, l'armurerie. En premier. On va aller à l'armurerie, voir un peu ce qu'il y a. S'il y a des nouvelles choses, parce qu'on a un peu avancé dans l'histoire, donc peut-être on a débloqué des nouvelles armes. Genre, je voudrais bien le Mauser. Ça serait cool. Ah, et après, on voit. Après, on fait la mission. C'est un vampire sous coke. Vampire sous coke. Well, welcome, partner. First time? Et en fait, ouais. Have a look. Première fois ici? Hello. Qu'avons-nous là? Revolver double action, ça veut dire quoi exactement? Il tire plus vite, cadence de tir plus élevée, recharge plus rapide. Sold a few of those to some very discerning customers. Avoir deux double actions au lieu d'un cattleman, ça peut être pas mal. Schofield. C'est quoi la différence, Schofield?
plus de dégâts. Volcanique, on en a déjà un. Pas besoin. Il n'y a pas les Mother. Il n'est pas ici. You spend much time in the parlor house? Every time I'm there, I thank God I'm armed. Tu vas fermer ta bouche. Oh, ouais. Il n'y a pas le Mother ici. Bah merde alors. Roster amélioré. Non. Cartouchère améliorée, ceinture roster améliorée. Now I do have some foreign made iron when it's quality, but here in Rhodes, American is preferred. À la limite, je prendrais un double action x2. Self-cocking manual éjection mécanisme. Can never overvalue a quality éjection revolver. Automatique directement issue de l'usine. Donc, non, je fais rien rapport aux armes équivalent. Ce revolver est très prisé par un. Pas de TC0 de baril qui canon permet une extraction des douilles et un chargement rapide sur le champ de bataille. C'est pas mal. En fait, dans le barilé, il doit avoir le petit mécanisme pour virer toutes les douilles en une fois. Sold a shotgun to a hunter last week. Made near $20 in sales to the butcher this week alone. Where's my cut, huh? All right. Est-ce qu'on peut te vendre des trucs? Been a mite suspicious about the new faces in town. Rhodes is welcoming to be sure, but we can't just let all types have their way. Can't wait to give this a try. Bon. J'aurais dû regarder mon argent. Je crois qu'on avait assez pour deux pistolets. Vous portez à présent les armes que vous avez achetées. Vos autres armes à feu ont été rangées sur votre cheval. D'accord. Ah oui, il y en a un, il est noir. D'accord, ok, cool. Ouais, bon, là je peux pas, c'est Rod, on peut pas regarder nos armes. C'est pas grave. Ça fait un peu chier quand même.